Salam alaikum, mes très chers abonnés. On se retrouve, les amis, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on est là enfin pour l'album de SCS. Ça fait longtemps que je l'attendais, mon frère. Voilà, ça fait plus qu'un an que j'attends Julius Tom 2. Là, il est enfin disponible, mon gars. On va se l'écouter. Bon, il commence par Gibraltar. C'est le mec qui parle. Comme il a parlé dans tome 1, il parle au début de l'album. Donc voilà, il explique les bails. Après, Marché Noir. Du coup, ça, on les a fait dans le clip Marché Noir quand il est sorti. N'hésitez pas d'aller voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, on va pas les faire. On va directement commencer par Fournaise, qui est le troisième titre, mon frère. Là, j'ai vu la tracklist. J'ai envie de la dégoupiller. Qu'est-ce que ça veut dire dégoupiller? Même moi, je sais pas. Donc, me demande pas, mon frère. Donc voilà. J'ai juste envie de déchirer l'album, mon frère. Voilà. Je tiens à vous dire quand même que je suis le premier à faire une première écoute, voilà. Jeudi, minuit, vidéo disponible. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Ma première écoute est disponible en même temps que la sortie de l'album, donc voilà. Bref, on va pas trop parler. Let's fucking go pour écouter Julius Tom 2. Voilà, Julius Tom 1, j'ai kiffé. Celui qui est sorti après, comment il s'appelle déjà? A7, j'ai kiffé. Deofa 20, j'ai kiffé. Julius Tom 1, j'ai kiffé. Rooftop, j'ai kiffé. Là, Julius 2, il est... Ah, on va pas trop parler, mais il a intérêt de me convaincre parce que voilà. Bref, c'est l'un de l'album que j'attendais le plus avec celui de Booba. Booba, on en a parlé, on a déjà fait la réaction. Voilà, n'hésitez pas d'aller voir ça. Sur cet album, il y a que deux featuring. Un avec Manshaft qui est avec Freeze Corleone. Voilà, j'aime... Oh, j'ai envie de commencer par ça, frère. Mais bon, on va faire dans l'ordre. Et le featuring avec Jul. Et il y a en mode Akimbo, et il y a un autre featuring mais qui est sur le CD, donc voilà, avec Laura Luciano et Jul. Donc voilà, on va s'écouter que ça, nous. C'est parti, let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Juste avant qu'on commence, n'hésitez vraiment pas de liker, de s'abonner et d'activer la cloche, les amis. Vous ratez des dingueries, voilà, des premières écoutes de fou malade. Le lien de mon Instagram dans la description, il s'affiche juste ici, voilà. N'hésitez pas de venir faire un tour, il y a des trucs intéressants là-bas. Let's fucking go. Bon les amis, c'était pour vous dire que je vous ai mis les séquences de chaque morceau. Donc vous cliquez juste sur la vidéo comme ça et ça va vous afficher 100%. Je vous ai mis les time codes et tout. Voilà, ne me remerciez pas, juste likez, abonnez-vous, partagez ça à fond. Bon visionnage. Fournaise. On va faire les boutiques, c'est ma meilleure amie, raison ni la logique. Ce n'est la raison, ni la logique. J'avais ma maman faire les boutiques. Oh là 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 là. Ça commence très très bien. Oh là, je kiffe. Quand vite allait le pronostic. Longtemps que je suis pas allé à l'église. Pensez à s'il était là. On sait le flou, flou, très dans la chose. Folle dans les blouses. C'est qu'on est bien pour nous. Quand vite dans la chose. C'est qu'on est pas tous. Doré dans ma dos. Tête dure comme Charles Bronson. S'ils font très dans le. Oh, les gars, là, dans le box. Wow. Oh là 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 là. SCH, mon gâté. Il y a toujours le débat. Est-ce qu'il est meilleur, genre le meilleur rappeur en France? Pour moi, il n'est pas le meilleur rappeur en France, mais il fait partie des top 5, on va dire. Voilà. Au niveau caractère et tout, tu peux le dire. Voilà, tu vois. Charisme, flow vestimentaire et tout, tu peux le mettre top 1. Mais pour moi, le top 1, si vous voulez savoir, c'est Ninho. Après, il y a un gros débat sur ça. Moi, je vous laisse faire vos débats, mais voilà, vous n'allez pas changer mon avis, ça reste Ninho pour l'instant. Voilà. Ça se peut en 2022, parce que sortir un projet, ça va être le plus nul de l'année, mais voilà. Je vous dis, voilà, moi 2019, 2020, début 2021, voilà, c'est encore Ninho. Peut-être qu'il va me faire changer d'avis, voilà. Peut-être que ça va être le meilleur album de cette année, peut-être que je vais le préférer de celui de Booba, et peut-être, voilà, d'ici à la fin 2021, je vais pas trouver mieux que ça, et du coup, SCH sera le meilleur rappeur, on va dire, mais voilà. Il a donné des featuring de fou malade en 2020. Il a sorti aucun album, mais il faisait partie des mecs les plus streamés, genre, il était dans le top 3 ou top 5 des plus streamés, donc juste avec Bande Organisée, voilà, le projet très organisé, il a donné quelques featuring par-ci par-là, et ça a streamé fort, ça a fait des vues de fou. Et bref, voilà, c'est méritant, tu vois, le niveau des SCH, mon frère. Pour moi, c'est le meilleur à Marseille, voilà. Débat, pareil, il y a ici un débat entre lui et Jul, mais moi, je suis pas trop Jul, voilà, j'écoute, mais en 2-2. C'est plus SCH, frère, si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, après, il y en a qui préfèrent Naps, ouais, il y a beaucoup, frère, je vais pas tous les citer, mais tu as compris. Voilà, Fournaise, pour l'instant, frère, c'est léger, hein, c'est léger, voilà, je kiffe. Et à Nadia.
Les petits ils ont rien, tu vas leur prendre soin, leur apprendre quoi. J'aspecte moi l'âme, depuis que j'ai un chien, enculé. J'ai un grand 45 comme Nicky. On arrive genre au chaîne suisse, c'est qu'on repart. C'est quand on fait les sites, c'est quand on fait mes sites. Tu vas flouter tout, ici c'est illicite. Oh là là, tu as les rimes qui te sortent. Oh là là, niveau là extra. Il déchire ses morts. Et même le flow, tu vois. Nanana, 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 nanana. Oh, oh là, c'est un truc de fou, hein, c'est ça. Là, franchement, Fournaise, c'est de la peu frafra. Voilà, on commence très très bien l'album. Bon, elle a déjà commencé avec Marché Noir. Mais là, on introduit très très bien cette vidéo. Parce que voilà, Fournaise, j'ai vraiment kiffé. Je donne un petit 8. Parce que la prod, elle était tranquille. Voilà, il a su comment poser dessus. Il a fait vite fait l'énerver. Après, il a fait le calme. Voilà, mais tu as compris, frère, les paroles. C'était incroyable, mec. Voilà, c'est juste kiffant. Je suis en train de kiffer. Laissez-moi dans mon délire. Voilà, on passe au morceau suivant. Pas envie de trop détailler, de rentrer dans l'analyse et tout. Voilà, de rentrer sur Ramjunus, de dire ce mot, veut dire quoi, pourquoi il a fait ce... Oh non, 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 non. On est là pour kiffer, voilà. C'est la première écoute. Peut-être je ferai ça au bout de la cinquième ou sixième écoute. Je commence à m'intéresser au lyrics, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, le lien, Banks. Mais il y a des trucs qu'on comprend direct, je vous le dis. Mais voilà, des trucs un peu cachés, un peu sombres, un peu contournés, un peu de métaphores et tout ça. On vous laisse vous les faire. Voilà, on n'est pas là pour l'analyse, les amis. Bref, Fournaise, comme je l'ai dit, j'ai kiffé la prod, son flow, les lyrics. On passe à Aluminium, mon frère. C'est parti pour écouter ça. Tu as vu, après y'a les statistiques. Pow! Tu attrapes les petits ont grandi, tu mets ta matraque. Un cas de la Zumba. Oh! T'es un cas de la Zumba. Oh là là là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tiens, AK de la Zumba, frère. Tu vois? La AK-47, ça sort des balles. Lui, il sort des Zumba. Je sais pas qu'est-ce qu'il vise, là, sur ce son, mais, il y a des clashs par-ci, par-là. Du fric et des sédatifs. Quand tu chais dans la caisse, on demande 7. Pour bénéfice, je me prends pour des jeunes hommes. Dans l'envelope de mon presse. Allumine tout dans la caisse. Coco, j'y venu pour ma pièce. Mon carnet tient au pif. C'est sûr que t'as croisé nos chemins. J'ai t'enculé, j'ai plus 20 piges. Mais mon nom, en haut de l'affiche. Bref, voilà, même pas envie d'entrer dans les détails, frère. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Il me déçoit pas, le petit SCH. Le grand SCH, El Grande SCH, mon frère. Voilà. Ah là, franchement, au début, là, je sens qu'il va dépasser quelques albums sortis cette année, hein, sans vous mentir. On verra par la suite. Voilà. Surtout après, il y a Machat, mon frère. Oh là 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 là, avec Chris Corleone. Je pense que ça va être de la drill, on verra bien. Mais voilà, Aluminium, nanana, nanana, nan, ça nous prend pas déjà un homme. Néné, oh là 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 là. La kiffance. Voir si tu prendras ta chiffresse. Comme dans mon 7-up. Pour bénéfice, tu me prends pour des... La prod, il la laisse respirer, tu vois, vers la fin. Tu kiffes encore, tu vois, il te laisse. C'est une dinguerie. Admire. Bref, voilà, tu as compris les bails. Aluminium, aluminium. Pour moi, c'est même à peu près le même niveau que Fournaise, donc voilà. Encore un 8 sur 10. Encore un... Oh, je crois que j'ai donné que 2 8 sur 10. Ça va finir sur un 8 sur 10. Voilà, la note finale de l'album. Mais voilà, fa. Là, tu as compris, fa, que c'est l'album... Il s'introduit très très bien. Voilà. J'espère que il sera l'album de l'année. Voilà, parce que... Comme je vous ai dit, hein, j'attends, ça fait longtemps. Je veux pas être déçu. Mais pour l'instant, c'est carré dans l'axe. Marché Noir qu'on a écouté. Fournaise, Aluminium. C'est parti pour écouter le troisième son, les gars. Voilà, c'est... Ah. Bon, Aluminium, hein, pareil, comme je vous dis, comme Fournaise. Là, il y a X. Le flow, les paroles. Là, il y a X, les paroles. Ouais. Tu vois, ça se voit que je commence à... Je suis tellement pressé d'écouter mon chef. Les lyrics, le flow, la prod. Rien à dire. C'est une dinguerie, comme il poste dessus. Voilà.
Mais voilà, je voudrais bien savoir de qui il parle quand il dit t'es une AK de la Zumba, ça. Ça, c'est intéressant de savoir. Ok? Bref, c'est parti pour que t'es mon shaft. Freeze avec SCH. Let's fucking go. Équipe, équipe. Motherfuck! Fais du benchmark, little Italy man, shaft, fuck Robocop. Cher comme Clint, ça arrête que des gogos. Peu de fées, que des vocaux. Ah, bête, t'es près du lift. Investir. J'ai quoi à monter en allemand? Putain, je suis allemand. En plus, le Mannschaft, genre, c'est l'équipe normalement de l'Allemagne, l'équipe nationale de l'Allemagne. On les appelle les Mannschaft, et c'est pour ça. Bref, Schneider, non, même, c'est là, tu vois, c'est pour ça. Et là, il fait une référence à lui-même, l'autre, il fait une référence à un moteur allemand, parce que voilà, les plus grands moteurs allemands, ça vient des bolides allemands, les plus grands bolides allemands comme Mercedes, BMW, Audi, etc., etc. Tu as connu les bails, mon frère, donc voilà. Bref, on s'écoute la suite, j'ai hâte d'écouter le couplet de Freeze, mais pour l'instant, SH, il a plié la prod, rien à dire. Mais si je résiste à mes mésis, mort le sang sèche et c'est précis. Les glaçons, les sky à la boisson. On a le peuple, les glocks, les box. Et les cicatrices c'est du charme. Et quand ça shine, je suis pas dans l'émotion. On a le peuple, les glocks, les box. Et l'émotion. On a le peuple, les glocks, les box. C'est bon, on a compris que tu es gang, mon frère, voilà. C'est bon, ça on l'a déjà compris, ça fait longtemps mon frère, donc c'est pas la peine de répéter sur ça. On a les guns, les nanes, les munitions, nanana, nanana. Aucune émotion, on te filme, nanana, nanana. Bref, voilà, tu as compris les bails. Ma shaft, comme je vous ai dit, là, le couplet DCH, le refrain. Équipe, équipe, c'est parti pour t'es. La suite. Et les munitions. Presse le S depuis Gomorra, hey. Marqué comme d'envie pour Vendetta. De la Zura, l'un, couleur à courage. J'ai l'ouragan, Katrina, théâtre à deux pas à sept. Je vois grâce au... Mais la prod, frère. Incroyable, et comme il pose de juste freeze, incroyable. Non, déjà la prod, frère. Je comprends pas si c'est une prod de drill ou pas. Il y a le petit bail de la drill, tu vois. Il y a les petits snare et tout. Mais comme c'est fait derrière avec le violon et tout, voilà, il y a une petite recette de drill, mais on dirait pas trop de la drill parce que c'est caché avec d'autres instruments et c'est très très bien. Voilà, un truc nouveau, tu vois. Ah là 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 là, mon chat, c'est incroyable. Au drap et à la secte, si c'est cette OBS, elles sont à la secte. Elles sont la secte. Schneider, pour qui on a laissé descendre. Touche-nous, tu te fais monter ou tu te fais descendre. Hey. Des arbalètes, audio de pas avec le sa cuisine, la galette. On sait qu'il y a les manettes pétasses de la malte. Quatre pour les garçons, ta tête, combien ça paye? Combien ça paye? La soirée de grammes, des corps sur les draps, tu connais mon rôle. Aucune émotion, aucune émotion, t'as une mission. Les blocs, les box et les munitions. Les amis, je suis convaincu de ce string, mais je sais qu'il pourrait faire autrement. Il pourrait faire un string genre plus énervé, avec une prod un peu variée que celle-là. Tu vois, comme le prof, quand il te dit peut faire mieux, voilà. Même si t'as 19, il te dit peut faire mieux. Voilà, c'est ça. Peut faire mieux. Elle m'a trop plu, frère. Je vais le mettre dans ma playlist, t'inquiète pas, c'est de la peu fra. Et je donnerai un 8,5 pour cette chanson, ce string, voilà. Rien à dire. Mais, je sais, moi, je m'attendais à autre chose, tu sais, c'est pour ça. Je m'attendais à un instru, pas comme ça, frère. Je m'attendais à un truc plus énervé, plus kické, plus truc. Voilà, mais là, il était calme, tu vois, même sur la prod. Sur le refrain, je veux dire. Nanana. Voilà. Mais bon. C'est pas parce que, il est pas trop énervé, trop hardcore comme je l'attendais, qu'il est pas bon, non. Il est trop bon, c'est validé, les Mannschaft, les Allemands, rien à dire. Voilà, pour l'instant, Fournaise, c'est 8, Aluminium, 8, Mannschaft, Drink Fresh Corleone, c'est un 8,5, c'est parti pour que t'aies la prochaine, qui est grand bain, les amis, ça fait penser à Dadju avec Niu. Maintenant que je suis dans le grand bain, c'est dansé, c'est le genre de paye. On boit du champagne, les cops, personne vient. Beaucoup de références à sa maman hein, sur cet album. J'ai remarqué avec Marseille Noir, on l'a remarqué avec Fournaise, et là on remarque avec Grand Bain. Là il a parlé de la Madre. Quand il a parlé d'elle sur Marseille Noir, il a dit j'ai rendu fou Madre, mais je l'ai rendu fier aussi, parce que je ramène de l'argent et tout, tu vois. Bref, c'est un fou. Antise et les joints, ça finit derrière, la vie tout s'entend.
c'est chez nous. Ça fait pas plus de promesses. J'ai déjà perdu ma sommeil. Maintenant que je suis dans le grand bain, je fais la concurrence dans le gangbang. Le genre de paye, on boit du champagne. Forcément, c'est pour la clique. Parle à mes amis d'avant et je vais te dire les effets du temps. Ah, il est incroyable, voilà. Il est chill, tranquille, posé, mais. Trop fort. Je te montre, on fait des grosses. Marqué au nom des villes allemandes. L'équipement vient de Moss. C'est la poupe sous le B7. Sa mère, le monde et ses merveilles. Là, que des promesses. J'ai déjà perdu ma sommeil. Je fais la conquête dans le gangbang. Les stars que tu crois, c'est leur pète. Sur le champ. C'est un fou, hein. J'attends le refrain, du quoi. Maintenant que je suis dans le grand bain, je mets la concurrence dans le gangbang. Tu vois, il fait référence à quoi dans le gangbang ou pas? Ah, je te laisse deviner, mon frère. On va pas dire aouh, c'est bon. Quand ça fait bang bang, des masques et des soins vont les éteindre. Laissez le billet dans le sac. Oh là 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 là. Quel album! Il s'introduit trop trop bien. On est presque à la fin, je me dis, on s'introduit trop trop bien. C'est vrai, tu as compris, frère. Que je veux dire, fournée, lancinant, aluminium, machin, frère, là, grand bain. On va donner un 7,5, voilà. J'ai moins aimé, mais vite fait, tu vois. Vite fait. Je me suis un peu ennuyé, mais vite fait. Je parle par rapport à Aluminium, Fournaise et Mineshaft, tu as compris. Voilà, c'est parce que c'est cheat, c'est un peu posé et tout. Et moi, voilà. Moi, ça me plaît, mais pas tout le temps. Tu vois, ça dépend comment tu le présentes, comment tu me l'introduis, comment tu me le fais passer, le message dedans, la prod, comme il joue avec le flow, avec les X, tu vois, avec les rimes, etc., etc. Là, c'est un 7,5, c'est une très bonne note, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça fait 15 sur 20, mon frère. Tu as 15 sur 20, tu es pas content? Laisse tomber. Voilà, quand je commence à donner moins de 5, là tu dois comprendre que ça pue la merde. Mais tant que c'est 5, 6, 7, 8, 9, voilà, là tu comprends que c'est du lourd. Bon, 8, 9, c'est bon. Là, on a touché le sommet, mon frère. Mais voilà, 7,5, là, voilà, ça se rapproche du 8, c'est vraiment pas mal. Comme je dis, la prod, voilà, tranquille, rien à dire. Bref, on passe au suivant qui est crack, mon frère. Et je crois qu'il va nous faire craquer avec ce son. Ça dans la français. Et trouvé dans un vitin, et je suis de Niron d'Ouvert. J'en ai le neuf. Il y a des morts à chaque saison, et j'ai trop de rêves en prison. Pour t'en trouver le sac. Oh là, il régale. Comme il pose dessus, la prod, comme elle est. Oh là là, le incroyable, mon gâté. C'est le mot que je vais employer. Ah, comptez-moi combien de fois je vais dire incroyable dans cette vidéo. Mais c'est incroyable, rien à dire. Quand je la baisse, minimum, 0,8 quand je passe. J'y vais LIVS, Waharan. Je fais ma Havane, j'ai déjà. Il a fait une référence à Marseille et à Waharan en même temps, frère. Je vis à Marseille. Et mes origines, je viens d'Oron. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Voilà, je vais favoriser ce morceau parce qu'il a dit Waharan Marseille. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon frère? Oh là là, crack, il m'a fait craquer, c'est bon. Il m'a fait craquer. Et voilà, c'est du lourd, c'est du lourd. Mise à la primataire, si je paie, j'ai Hermès à ma banne. Et mon sac, j'ai des soucis, j'ai du goya. Que par rapport à mes coups, la photo de l'appel baby. Mais on fait une mission, une casserole et ça fait du crack. Incroyable, mon gâté, c'est un 8 sur 10, bien sûr, frère. C'est une dinguerie. Je sais que mon chat, c'est à 8,5, lui est 8. Mais quand même, voilà. Crack, rien à dire, voilà. La prod, posée. Pas posé, hein, qui fait bouger. Comme il pense sur lui, Waharan, Marseille, nanana. Tu vois, avec sa voix grave et tout. Oh! Elle a dit, en fait. C'est bon, on passe à la suivante. J'ai pas envie de trop parler, mec. Parce que c'est là qui fonce. La première écoute, pour moi, c'est là qui fonce. On doit pas se prendre la tête pour des trucs, voilà, aussi bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pas bête comme tu l'as compris, mais voilà. Voilà. Je crois que tu as compris le sens de la phrase. On va passer à la suivante qui est la battue. C'était pas un laborantin. Il a toujours préféré la compagnie des armes. C'est le vieux mec là qui nous raconte un peu J.V. Alivias. À celle des chimistes, les hommes aussi. La seule chose de l'or. Pourquoi s'évertuer à penser qu'il pourrait passer à bruit d'une balle qui s'égare? Une zone de danger.
Ouais, c'est notre zone de danger. Voilà, voilà mon gars. Sa zone de confort, c'est votre zone de danger. Éloignez-vous-en, mon gars. Vous risquez grand, là. Bon, la battue, il a expliqué ce que ça veut dire. Il a introduit le son d'après. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop compris, c'est chasse où les rabatteurs effrayent le gibier. Bon, ouais, je lis, ouais. T'as un problème, mon frère? Je retiens pas. Effrayent le gibier pour les orienter vers les tireurs. Voilà, t'as compris, frère. Et en anglais, on dit beat. Comme, je sais pas moi, un beatmaker. Voilà, beat. Un instru. Sinon, il y a un deuxième sens qui est action d'explorer systématiquement un terrain en groupe afin de retrouver une personne ou des objets. Voilà. Mais comme je vous ai dit, hein, ça a une relation avec les armes, chasse, voilà, zone de confort, zone de danger, ne vous approchez pas trop. Quand le mec vous dit allez-vous-en, voilà, faites pas les cons. Bref, quand il a dit zone à danger, il introduit le son d'après qui s'appelle comment à ton avis? Zone à danger, bien sûr. Voilà, c'est parti pour que t'es zone à danger. Bon, la machine, on va pas noter le vieil homme quand même. Voilà. Il nous a raconté des bons trucs, mais voilà. Let's go. Peux-tu savoir? Quand tu es l'été, je suis escroque, 19 viens me faire. Je t'en remercie pour l'art, c'est ce qui m'a rendu nerveux. Des fois j'insiste, c'est pour ton bien, je comptais. J'ai pas honte de dire quand j'ai tort, j'ai pas honte de dire qu'elle comptait. Je voulais qu'on avance. Mec, ils ont tout perdu. Je te pardonne pas, je suis pas le bon. Trop calme, trop bien, trop. Wesh, chill, frère, c'est un très bon son. Prendre la vie sur le tas, en tombe plein de fois, jusqu'à s'élancer. Je laisse un peu de santé à chaque titre. À peine sorti, ils veulent lasser la une. J'ai fait des trucs insensés. J'ai pas honte de devenir un. Je suis né dans l'insomnie. Tu sais ce qui danse. Je suis né dans l'insomnie. La danse. Je suis né dans. Mon gâté, c'est encore un 8 sur 10, frère. Voilà. C'est un truc de fou. Je crois que tous les morceaux ils vont être au même niveau. C'est incroyable. Donc voilà. Zone à danger, très bon son. Voilà. Comme je vous ai dit, chill. Voilà. On n'a pas encore du pur kickage. On n'a pas. Voilà. On a droit à des hits, on va dire. Voilà. Des. Si vous voulez dire ça, comme un hit, hein, zone à danger, tu vois. C'est posé. Voilà. On peut faire référence à Auto de JVLVS tome 1. Donc voilà. Ou à Le Code. Voilà. On va dire ça. Voilà, c'est des hits, mais pas des hits à la Heus ou à la Nino, tu vois ce que je veux dire. C'est, voilà, des hits à la SCH, quoi. Voilà, son style musical et voilà, c'est comme ça, c'est le S enculé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Zone à danger, 8 sur 10, on passe à Euro, voilà. Euro, c'est parti. Bénédiction, devenir chef. Aussi fait ton possible. Incroyable. C'est quoi ce son? Ah, je crois qu'il va être le meilleur, lui. Tu vois, quand ça commence par la voix de la petite comme ça. Et la prod, elle démarre comme ça. Bon, nanana, SH qui clique dessus. C'est incroyable. Obligé de le remettre, mec. Incroyable. Tracé, j'ai refrain, j'ai la vie que j'ai. Bénédiction, défense, le tracé. Quand t'es oncle baisse dans la kitchen, passe foutu. Tes promesses, je m'en fiche, j'veux un chèque. Quand tu stores, j'mets l'archive, le leasing. Et j'pille un Porsche à 240. Regarde le robot. À 47, on vient pour faire la bolognaise, petit con. Range. Physique et verbale. Bien trop illicite pour le public. On trouve nos limites et qu'on pète une jarrette. Cramé dans le bain du pire. Que des rôles qui portent de flingues et des spires. Je le crée. Je suis venu pour un chèque. Et j'appelle personne El Jefe. J'appelle personne le chef. C'est lui le chef, mon gars. Je promets. Le refrain, il avait avec une voix robotisée. C'est la prod la plus basique, mais c'est elle qui me plaît le plus, je sais pas pourquoi, voilà. Il y a des trucs basiques, mais tellement basiques.
Même moi je peux te la faire, même mon petit frère il peut te la faire cette prod, tu vois, il y a pas des trucs de fou malade. Mais comme elle est posée, comme elle sache kick dessus avec la petite voix derrière de la fille. Oh là là, c'est incroyable mon gâté. Euro, c'est un 8 et demi mec. Voilà, je vais donner un 9, mais j'attends un truc de fou malade. Bref, Euro, voilà, c'est un 8 et demi. Comme je vous disais, la prod, comme il kickait sage dessus, le refrain avec la voix robotisée, c'est carrément incroyable. Bon, on va en pas revenir, comme je vous ai dit, sur les lyrics, hein. On en parle pendant, mais voilà, c'est léger. C'est passé pour écouter Asos, Asos, frère. Celle-là, je sens que tu vas donner un 9. Incroyable, incroyable, je kiffe. Et en marche, elle prend du transit entre deux plaines. En montant que tu laisses, c'est pas les voir ici que les centres. Faut qu'on s'adapte. Il est bleu, il est rouge. Nanana. C'est l'Italie, la Sicile. Piaggio, Gilera, au fond du bar. Je râle. 0,9 qualité végétale. Tout est froid sous le potec. Qu'est-ce que je m'en prends dans les vivres au Bahamas. Liquide et glace. Non, non, Asos, c'est le meilleur son, frère. 9 sur 10, voilà. Ne, je veux rien savoir, c'est le meilleur. J'ai perdu mon sommeil. Qu'est-ce que je m'en branle d'aller vivre au Bahamas si je, j'y vais LIVS. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai vu LVS, voilà. Comme je vous ai dit, 9 sur 10 pour moi, maintenant. Pour l'instant, c'est le meilleur son. Rien à dire. Tout ce que tu veux. Voilà. Les couplets kickés, le refrain chanté. Voilà. Comment est posé les, comment ça a été fait, le mixage, tu vois. Banks, le petit autotune, mais pas trop abusé. Voilà. Moi, la technique, tout. À sauce, pour moi, c'est le meilleur son pour l'instant. 9 sur 10. Rien à dire. On passe au suivant, les amis, qui est Parano. Je vais devenir parano, moi. C'est qu'il nous faut la recette. C'est Dieu qui donne la, donner dans la sacoche. Conditionné au détail. Gros de marche, en dans les mœurs. Voilà, là, il est en train de rapper que avec le piano, frère. Voilà, c'est calme. L'Olympique, beaucoup trop impliqué. 500, garé devant l'hôtel. J'ai besoin d'oxygène. Souvent mauvais karma. Pas mal. On vole, vaut, savant que la part. Et si on t'a lâché, on va jamais te repêcher. FRPG sans l'encore, on s'en ira la passion. Je crois que je vais devenir parano. Parano, je peux pas trop donner d'amour. Là, 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 c'est trop bien. Oh, c'est la kiffance, comme je vous ai dit, hein. C'est incroyable. Voilà, l'album, il, voilà, je suis sous. Bon, peut-être niveau featuring, celui de Booba reste meilleur. Peut-être, hein, peut-être. Voilà. Mais sinon, le reste, pour moi, ça, j'écouterai plus de son de cet album que de son de Booba. Booba, j'ai pas appris tout l'album sur ma playlist. J'ai pris, je crois, il faisait 14 titres et j'ai pris 7 ou 8. Voilà, 8, je crois, j'ai pris. Tu vois, sur les 14, j'ai pris 8. Est-ce que je vais prendre plus pour ça? Mais pour l'instant, ça me donne envie de les prendre tous, hein. Voilà. Parano, je peux pas prendre les dames. Non, mais les gars. Voilà, je suis pas sous 8, je suis pas sous, sous l'un ou quoi, mais quand j'écoute déjà cet album-là, je suis déjà dans mon monde. C'est bon, laissez-moi. Je pardonne, j'ai trop donné, pardonne, pardonne, trop d'amour. Et si on se met sur toi, c'est dur. Cherche à trouver ton adresse. Grâce dans 2 ans, je suis hors au gaz blanc. Et dis alléluia, et du check son. Que la écaille de poisson. Ici, on n'est pas trop lover. Ouais, trop d'amour. J'ai trop donné d'amour. Trop, trop bien. C'est un 8,5 pour ce son. Franchement, j'ai trop kiffé. Trop, trop kiffé. Voilà. Rien à dire, mec. Rien à dire. Rien à dire, l'AX, comme je vous dis, hein, à chaque fois, l'AX, flow, je vous dis, quand ça manque un truc, ou quand, genre, peut-être, la prod, le flow, les l'AX, un des trois, il me plaît pas, mais là, pour l'instant, les, tous, ils sont au niveau, hein, rien à dire, mec, rien à dire, voilà, c'est trop, trop bien fait, c'est parti pour écouter Corrida, le prochain morceau, je donne que des 8, il y a un problème.
Je te dirai adieu si t'en chaud. On a la force sans la rétention. Donc tu sais qu'on rayonne, je protégeais mon vaisseau. Et si je lance pour les pesos, j'ai la lune non paix si tu m'aimes pas. Oh là 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 là, incroyable corrida, frère. Je crois que je vais craquer pour ce son, frère, comme j'ai craqué pour la sauce. Elle est trop bien corrida, mec. Comment c'est ma balade, plus rien à fêter. Depuis rien n'est pas, c'est fait sous on sait. Et j'attends plus jamais rien de personne. Et ne m'en dis, ouais, c'est ta faute. Je mets ton paradis, m'a changé ma vie. C'est l'horreur, des portes. T'es dans la banane. Comment c'est loin, banane. Voilà, tu t'en chez Gabana. Donc c'est loin, banane. Incroyable. C'est ouf, un 9, encore un 9, voilà. C'est les préférés, je vous ai dit, hein, pour l'instant c'est Asos et maintenant Corrida, frère, vient de s'ajouter. Mais je peux pas trop départager pour la première écoute entre les deux qui est meilleur vraiment sur la prod, voilà. Il faut que j'écoute plus, il faut que je m'intéresse aux détails, il faut que j'ai mes AirPods. Sur les likes, pareil, il faut que je me concentre. Je peux pas me concentrer sur plusieurs trucs en même temps et vous dire tout ça en première écoute, c'est impossible. Pour ceux qui font un première écoute, ils vous disent tous les détails, c'est impossible que c'est une première écoute. Voilà, c'est une analyse, ils ont dû écouter ça au moins 30 fois. Ils ont dû checker au moins les likes sur Rap Genius pour comprendre plusieurs trucs et tout. Voilà, pour une première écoute, tu peux pas tout être dans les détails. Et comme je vous dis, Corrida Asos, j'arrive pas à départager maintenant. Mais pour moi, ces deux sons, ils sont incroyables. Rien à dire. Les deux, ils ont 9 sur 10 pour l'instant. Voilà. Je sais pas ce que j'ai, voilà. Je m'excite trop, frère. J'allais dire, pour, on va passer au, celui d'après qui est le coup d'avance. C'est parti, mec. 40 000 problèmes. Laissez-moi vous dire qu'il minimise là. 40 000 problèmes, laissez-moi vous dire. Tu vois, avec sa voix là, franchement. Bon, il va encore nous introduire un autre truc. Bon, le son d'après ça, après le coup d'avance, c'est raison. Donc, ça, normalement, ça doit avoir un lien avec. Et le plus fou dans tout ça, c'est pas le nombre. Vous, vous vous inquiéteriez du sort d'une personne en massacre. Lui, il appelle ça destin. Et sa pauvre mère, tu me dis qu'il était déjà chez lui. Oh là 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 là, allez, c'est pas beau que t'aies les amis, la raison. Tu pourrais tuer mes soucis. J'ai quitté, on parlait sur la haine de ceux qui sont égarés. Mais le destin laboure dans mes anneries. Voir tout s'effondrer, ça va t'écrire à mes raisons. Le pouvoir nous divise. Vous avez compris les amis, c'est pas mon coup de cœur, voilà, il est bien mais il fait le taf, voilà, il est bon, voire très bien. Ouais. L'espèce, l'obscur est si vaste, je me quand la pétrie que l'humeur, suffit de montrer le carré, n'oublie pas de qui je tiens, enfin je suis mon roi, pas de question comment est-ce à ma vie, oh, à la maison. Voilà, on verra bien après la première écoute. Mais à la première écoute, je suis pas trop attiré. C'est pour ça que je vais donner un 7 sur 10. Pour raison, c'est un 7 sur 10. Voilà, au calme. C'est parti pour passer au suivant, les amis, qui est plus rien à se dire. Les poches sont déjà remplies. C'est le 13 ici, et la R2. L'enfer m'attend vers tu es vise. Mais j'ai peur plus rien à me dire. Si toi déjà fais tes choix. J'ai mis trop de choses. Avant toi, j'ai plus rien à te dire. Donc ce morceau, comment vous dire, c'est pas... voilà. C'est un son normal, alors voilà, quand je vous dis, ah, le coup de cœur reste à ça, c'est Corrida, hein. Mais c'est un bon son quand même, voilà. Très très bonne prod, comme il pose dessus, c'est tranquille. Le... la prod, elle me rappelle un son de Jul, je sais plus c'est laquelle, mais je crois que c'est Ma Jolie. Ma Jolie, Ma Jolie, Ma Jolie, je sais que tu m'as mal à voler. La prod vite fait, hein.
si vous avez remarqué. C'est bon. Plus rien à se dire, mec. Voilà. Ce son, un 7 sur 10 encore. Voilà. On passe à la suivante, qui est le featuring avec Jules, mec. On a parlé de Jules juste maintenant. J'ai dit que la prod a me rappelé Jules. Bim, y a Jules qui apparaît, frère. Mode Akimbo, frère. Ouais, c'est une machine, mon frère, si tu veux qu'on en parle. Il sort 5 albums par an, dont 2 gratuits. Ah, il régale tout le monde, frère. Il régale les pauvres, les riches, les moyens, ceux qui aiment la Zumba, ceux qui aiment le rap vite fait. Hein. Voilà, de temps en temps, il vous kick. Mais c'est plutôt ceux qui aiment la Zumba et tout. Bref, voilà, Jules, frère, c'est un mec qui régale. Voilà. Rien à dire, frère, rien à dire. Bon, on va s'écouter Mode Akimbo. Bon, je sais pas si c'est comme dans l'album de Jules, genre comme Malafak. Je l'ai, Malafak. On va voir le délire. Oh, la prod. Casser la gueule, je sais que ça leur a plu. Mélange dans la vitelle, moto, je vise la tête et la pute. Oh là là, elle est trop bien, voilà, c'est ambiançant, voilà, toujours il régale avec ses références. Los Angeles, Sibyl Abbes, nanana. À chaque fois il sort une ville d'Algérie, je sais pas pourquoi, frère. Peut-être il a des origines de là-bas, ou il traîne là-bas, mais j'en sais rien. Tout à l'heure il a dit Marseille, Oran. Maintenant il a dit Sibyl Abbes, Los Angeles. Bref, voilà. Et ouais, il régale. Je voulais mettre. Attends, on va remettre juste un peu. Ah, encore un autre couplet, Jules. Ouais, ça régale. Voilà, ce son, c'est de la régalada. Ah, ce son, il est incroyable. Incroyable, voilà, c'est trop. Tu nous connais. Toucher le sky, prends un verre de sky. Son Mode Akimbo, c'est comme Kimbo Slice. Bref, 8,5 pour ce son, les amis. C'est incroyable. Mode Akimbo, c'est la régalada. Que ce soit la prod, les couplets de Jules, les de SRH et les paroles, rien à dire. Voilà, ça se résume sur Sidi Blabes, Los Angeles, rien à dire. Après, Marseille Vieux Port, Corrida. Bref, voilà. Tu as compris les bails. On va passer à l'avant-dernière qui est Mafia, mon frère. C'est parti. Parce qu'il fallait mailler, tout le monde est bleu, peut-être la porte. Je pense des fleurs, pas d'un rock. Mafia, mais 6 millions, on tourne en rond. Je cause 89, j'ai qu'un encore. Des gens qui vont leur 6 AM. Voilà, ce son, tu vois, c'est détente. Mafia, nanana. Nanana. Voilà, tu as compris, tu as vu la top line, mon frère. Tu es calé, frère. Tu écoutes ça, c'est bon. T'es chill, t'es trop bien. Rien à dire, mon gars. Yeah, après-demain, je t'ai posé une rose blanche sur ta trompe. Mafia! Yeah, j'en prends le temps. J'en prie pour rester parmi les autres. Une place s'arrête, ça change en plein projet. J'ai des remords, j'étais pas là parce qu'il fallait ma. Parce qu'il paraît. Non. Ça sera un 8 sur 10, les amis, pour ce avant-dernier son. Mafia, c'est tranquille, comme je dis, c'est chill, c'est posé, c'est bon, voilà, ça régale. Rien à dire. À la première écoute, l'album, franchement, voilà, c'est un très très bon album, on va dire. Attends, on va écouter Loup Noir et après, on va parler de tout. Loup Noir, qui est le dernier son. Après, il y a deux sons, comment on dit, édition Marseille, c'est Phantom, featuring Jules et Laura Luciano. Et édition Gibraltar, c'est Tempête. Voilà. Mais, voilà, j'ai pas acheté encore le physique. Donc, si vous voulez acheter des physiques, achetez-le, envoyez-le moi. Voilà. C'est ça, frère. Qu'est-ce que je te dis? Si vous voulez une réaction sur les deux sons, achetez-moi l'album et envoyez-moi-le. Voilà. Là, je rigole quand même. Voilà. Mais pour ceux qui vont le faire, un cadeau, j'accepte.
Bref, Loup Noir, c'est parti pour écouter le dernier son, Babanks. Les sourires et les faux sourcils pour être mortels, que des casse noires dans le cortège. Donc là, soit il clôture Julius, soit il annonce une tome 3, mais je crois pas. Des trois pièces et des longs impairs qui cachent les guitares, des ruines. Quand la fin pense, le cœur est en grève. La vie, c'est mener les bons choix. Bien. Tête dans le guidon, c'était le frigo. Une chaîne de vie, des enfers. On sera de retour deux minutes avant que les revolvers leur jouent du temps. Des âmes, des enfants terribles. Le béton, le bruit du 16 sur le verso d'un. Le morceau, il est trop bien. Le morceau, il est trop bien. Pas ambiançant, c'est pas le but. Voilà, la prod, elle est comme on va dire Mafia, mais voilà, c'est un peu autre mélodie. Et voilà, c'est calme, quoi, tu vois. Les brusés, énumérez ce que j'y ai laissé. Mon grand maximum pour pas froncer dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plomb. Et toi, replonger dans la cuisine. À peine là, deux minutes, il commence à vraiment genre m'ambiancer et tout. La prod, elle commence à changer. Mais sinon, le début, voilà, il racontait. La réponse, où la violence est le moteur. Où la violence. On a pas eu de réponse, hein. Ou peut-être moi, j'ai pas compris, mais voilà. Dites-moi si aura un Julius tome 3, ou peut-être c'est SH, il l'annonce. J'en sais rien vraiment. Mais, comment vous dire que c'est la fin de cet album. Voilà, c'est la fin de Julius 2, les amis. On a clôturé l'album pour cette chanson, Loup Noir. On va donner combien? Un 8 sur 10. Voilà, pareil pour ma fille. Bref. Comme je vous ai dit, l'album est très très bon, voire excellent. Voilà, excellent, c'est un 9,5 sur 10. Mais il n'est pas excellent, mais il est très très bon, voilà. Il est aux attentes, voilà. Ça fait presque un an que je l'attends, il est aux attentes. Si je dois donner une note générale, comme vous l'avez pu le remarquer, c'est une 8. Un 8 sur 10, un 16 sur 20, mec. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les prods, ils ont été à la hauteur, voilà. Dédicace à tous les beatmakers qui ont fait ça. Voilà, les sons, même, ouais, tout ce qu'ils ont taffé pour l'album, frère, même le mec qui a fait la cover, je crois c'est Fifou, ouais, tout le monde, hein, le mixeur, tout, voilà, je sais pas quel son va-t-il nous clipper prochainement, mais voilà, moi, j'ai un coup de cœur quand même pour les deux, comme je vous ai dit, qui sont Assos et Corrida. Eux, je vais vraiment les saigner. Déjà que j'ai écouté tout l'album, mais ces deux-là, frère, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. 8 sur 10, une note générale pour l'album Julius 2. Voilà. Comment vous dire que c'est la fin de la vidéo, les amis. Voilà. Vous avez compris. Si ma vidéo vous a plu, c'est Julius 2. Dites-moi surtout vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Ou si vous voulez, venez sur Instagram. Il y a des débats là-bas et tout. On parle beaucoup de choses. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas, les amis, hein. Et voilà, que je te dis, hein, Loup Noir, il clôture l'album. Voilà, il a introduit avec Gibraltar et Marché Noir qu'il a clippé, ça fait un moment, mais voilà. Je vous laisse deux très très bon album, les amis. C'était ma réaction d'aujourd'hui, ma première écoute sur tout l'album. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et d'activer l'album. Voilà, tu as vu, je suis fatigué, mec, c'est bon, c'est la fin. Ça fait 2 heures que je rec. Activez la cloche, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous, bye bye. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, t'es fouetté l'abîme, tu perces la vie, Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.